Hi, bonjour Yves. Hi, Peter. Good morning. Good morning. Do you hear us well? Do you see us well? Oui. Well, welcome. Bienvenue à this All Partners Assembly. Bienvenue, Yves, à cette assemblée des partenaires de All. This is the very last moment of the 2 days working shop. We are going to start to ask you some questions. Yves, on va switcher en français, en anglais selon, et puis il y a aussi le traducteur. Peter, I'm going to ask you the question in English. You are free to answer in English, of course, and we have the translator who is going to do the work. Allow me to introduce you first to the audience. Alors, je vais vous présenter. Voilà, je vais présenter les deux intervenants à l'audience. Donc, Peter Suber est Senior Advisor for Open Access à la bibliothèque d'Harvard et directeur du Harvard Open Access Project au Berkham Klein Center for Internet and Society. Il est philosophe et juriste de formation. Il a quitté son poste de professeur de philosophie en 2003 pour se consacrer à plein temps au libre accès. Il a été le principal rédacteur de l'initiative de Budapest sur le libre accès en 2002, siège au conseil d'administration de nombreux groupes consacrés au libre accès et à la communication savante, et s'emploie depuis de nombreuses années à promouvoir le libre accès par ses recherches, ses interventions et ses écrits. Alors, je vais maintenant présenter Yves Gingras. Yves Gingras est professeur au département d'histoire et directeur scientifique de l'Observatoire des sciences et des technologies, OST. Ses recherches portent sur la transformation des universités et la dynamique des disciplines scientifiques, la mathématisation des sciences et l'utilisation des analogies formelles. Ses ouvrages les plus récents sont Pour l'avancement des sciences, Histoire de la CFAS, Sociologie des sciences, presse universitaire, Histoire des sciences et bien d'autres. Il a également dirigé l'ouvrage Controverses, accords et désaccords en sciences humaines et sociales aux éditions du CNRS en 2014. I'm going to start by a very important question that raised many debates here in France, and that you already have heard about it. It's about using indifferently two terms, which are open access, the oldest one, and open science, which is very, very, very used today's. Peter, this question is more focused to you. You have published one of the very first books on open access that has been translated here in France in French. Can you say some words about the overlap and the used overlap of these two words? Yes, thanks. I'd be glad to do that. And since you brought it up, let me thank my French translators. I understand that there was some controversy about how to translate the very phrase open access into French. And there are at least two phrases that are often used for that purpose. I have no opinion about which one is best, but I understand why it could be controversial and confusing. There is significant overlap between open access and open science. Open access is really about making material, it could be text or data or code, freely available to anybody with an internet connection and under an open license so that it's free to reuse. Now, open science depends in part on open access. So that's one part of the overlap. Open science also calls for open data and code, not just open texts. But to me, open data and code are open access to data and open access to code. So that's another part of their overlap. On the other hand, open science goes even further. It sometimes calls for open peer review. By the way, it does not always call for open peer review. Sometimes it calls for pre-registered reports. And to me, that's an example of a preference, a choice of open science that is not part of open access. And I would say that open access itself is neutral or agnostic on the different kinds of peer review. That is, open access does not entail or require open peer review. It's compatible with conventional pre-publication peer review. So anyone who's calling for open peer review in a way is going beyond open access as such, open access in the narrow sense.
On the other hand, open peer review is entirely compatible with open access and sometimes even serves to advance open access. So I would say the two terms overlap significantly. One of the controversies in English, but not in French, is that open science as a term seems to exclude the humanities. And many scholars in the humanities resent that because they're working for open scholarship or open knowledge or open research, but they don't think their work is included in the phrase open science. And yet the phrase open science is often used as if it covered all the disciplines. That makes more sense in European languages than it does in English. Thank you so much. Yves, peut-être quelques éléments d'éclairage sur l'usage parfois indifférencié de ces deux termes. Bon, je suis d'accord bien sûr avec Peter. Je pense cependant que ce n'est pas une bonne idée d'amener de la confusion dans les termes. Historiquement, le libre accès faisait référence très précisément au préprint, aux prépublications, comme Archive et maintenant comme BioArchive ou ChemArchive. C'était lié aux publications scientifiques. Et on a les mêmes choses en sciences humaines avec SSRN. Il y a des dépôts de revues, non pas de revues, mais institutionnelles de libre accès. La science ouverte est venue beaucoup plus tard parce qu'on s'est dit, bien, si on a le libre accès aux publications, il faut avoir les données qui vont avec. Donc, les spreadsheets de Excel, comme exemple, il y a une grosse controverse aux États-Unis sur la fraude d'une professeure de Harvard Business School et les gens demandent l'accès, c'est en psychologie sociale, et veulent accès donc aux données Excel, qui sont donc des données de sciences humaines et autres. Donc, science ouverte est plus large et réfère aux données, alors que libre accès voulait dire aux documents. Le problème, et on pourra y revenir, c'est que au-delà des termes, il faut regarder la structure matérielle de ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire de demander la science ouverte? Ça veut dire des coûts institutionnels élevés sans se poser la question de qui demande vraiment accès aux données et qui n'a pas accès aux données actuellement ou dans le passé lorsqu'il le demandait lui-même aux chercheurs. Donc, il y a une confusion dans l'usage très libéral et très gentil de science ouverte sans se poser des questions fondamentales sur lesquelles on va revenir, j'imagine, dans la discussion. Alors justement, pour revenir à une question supplémentaire qui a beaucoup animé les débats de ces deux journées, puisque l'événement a porté sur quasiment deux journées, il y a la question de la qualité qui est revenue incessamment. Qualité des données, qualité des métadonnées, qualité des processus, qualité des plateformes et bien d'autres choses, et qui est une question qui a été soulevée en regard d'enjeux d'intégrité de la publication scientifique. Alors, tous les deux, vous êtes un parmi les premiers observateurs des phénomènes, à la fois d'observateurs des questions d'open access, je pense à toi, Yves, mais aussi pionnier et militant de l'open access, je pense à vous, Peter. Est-ce que vous pouvez, can you reflect on that? Est-ce que vous pouvez réagir à la manière avec laquelle les questions de qualité qui ont été posées au fondement de l'open access et des archives ouvertes il y a plus de 20 ans de cela, presque même 30 ans de cela, comment aujourd'hui elles soulèvent peut-être des enjeux d'intégrité, en tout cas qui nous ont bien occupés pendant ces deux jours. Peter? Yes, I can interpret the quality question in two different ways. When we're talking about an article, for example, quality could refer to the accuracy or the reliability of the article. And we could also be talking about the quality and completeness of the metadata for the article once it's deposited in the repository. Those are separate things. One of them can be high and the other can be low. They could both be high, they could both be low. My office ran the institutional repository for Harvard, and we didn't worry about the first kind of quality. Our job was to accept
and deposit and distribute all the works by any Harvard affiliate who chose to deposit them. We did not vet them or evaluate them for quality. We didn't have the time and we didn't have the expertise. Our authors wrote on every conceivable topic in every discipline. If we had the time and expertise, we had no inclination. Again, our purpose was not to be a peer-reviewed journal that vouched for the quality of these articles. It was simply to be an institutional repository and to share the research of the people who were at our institution. On the other hand, we worked very hard on the quality of the metadata. And the Harvard repository started with Dublin Core metadata, but then we went well beyond Dublin Core. For example, in addition to depositing articles, we also deposit theses and dissertations. And the Dublin Core vocabulary doesn't cover theses and dissertations as well as it covers articles. So we have metadata fields that cover theses and dissertations. There happens to be a large community of scholars who work on electronic theses and dissertations. They had already worked out a standard metadata vocabulary for them, and we borrowed metadata fields from them. So in that sense, we're still following a standard. We didn't make up the metadata fields for theses and dissertations. But we also have local needs, and for some of those, we did make up metadata fields. For example, we have different licenses for different works in the repository, so we have different metadata fields for those. By default, the works in our repository are unembargoed. That is, we make them freely available as soon as we can. But we permit authors to request embargoes. And when they do, we indicate the requested embargo in a metadata field. We ask authors to affirm the Harvard Open Access policy in writing. It turns out that's necessary for to satisfy a certain need in U.S. copyright law. It may not be necessary in other countries. Some of our authors have affirmed the policy in writing, but others have not. So we indicate that in a metadata field. So these are examples of local needs, strictly Harvard-based needs that we satisfy through metadata fields. But we start with Dublin Core metadata. We expand that with standardized metadata fields from the world of theses and dissertations, and then add on Harvard-specific metadata fields as we need to. And one more thing. We used to allow authors to deposit directly into the repository, but they were very lax about metadata. They would leave out fields or they would put in the wrong information in the fields. So we've gradually phased that out. And we now use what's called mediated deposit. We ask the authors to send the work to our office, and then our staffers put the work into the repository to make sure that the metadata is complete and accurate. Thank you. Yves? Oui, je pense que c'est effectivement très intéressant de voir que vous avez noté le fait que votre intérêt est venu assez rapidement sur la question de la qualité. Or, je suis entièrement d'accord avec Peter, il faut qu'on soit parfaitement clair de deux choses distinctes. Parce qu'à l'origine, encore une fois, c'est très important, il y a eu tout un déplacement du sens de libre accès. Lorsque le libre accès des gens comme... qui ont mis de l'avant, c'était toujours le préprint de l'article accepté. Donc, il n'y avait aucun lien entre le dépôt institutionnel et la qualité parce qu'on ne déposait que des papiers qui avaient été soumis à des revues. Et donc, la qualité à cette étape-là ne concernait que les métadonnées pour la découvrabilité. Vous en avez peut-être discuté, mais ici au Québec aussi, le mot qui est fondamentale, c'est la découvrabilité. C'est une chose de mettre des textes en français, parce que c'est l'enjeu au Québec, sur Internet. C'en est un autre de s'assurer qu'il est découvrable avec les moteurs de recherche habituels. Donc, il y a beaucoup de réflexions faites sur les, comme vient de le dire très clairement Peter, sur les métadonnées. Mais si on commence à vouloir transformer les sites institutionnels en se posant la qualité des articles qui sont déposés, on est en train de faire une transformation majeure. Parce que si on évalue les textes qu'on dépose sur les dépôts institutionnels, on est en train de les transformer en revues scientifiques. Ça veut dire qu'on a mis de l'évaluation par les pairs. Or, Peter vient très bien de dire qu'à Harvard, ils déposent automatiquement tout ce que les
la communauté d'Harvard demande de déposer. Ce n'est pas aux gens du dépôt institutionnel d'Harvard de décider que la thèse d'un étudiant, l'article d'un étudiant, l'article d'un prof est bon ou non. Et donc, sur le plan de la sociologie de la science, si le dépôt institutionnel se transforme en contrôle, bien, ça revient à l'évaluation par les pairs, ça revient à transformer, sans en prendre conscience à chaque fois, le dépôt institutionnel, qui est non contrôlé, comme Peter vient très clairement de le dire, en un système de contrôle. Et tout système de contrôle est un système d'évaluation, et donc on tombe dans la sociologie des sciences classiques, qui va être l'évaluateur de ces articles-là. Donc, l'intégrité, en termes de dépôt institutionnel, ne concerne que l'intégrité des métadonnées. Est-ce que les métadonnées donnent bien le bon titre, donnent bien la découvrabilité, et non pas la qualité de l'article qui, elle, relève de la communauté scientifique par le post-peer review, comme on l'a vu dans plusieurs endroits. Les gens vont commenter sur Archive les préprints pour dire que ce n'est pas très bon, etc. Et ils vont paraître ou non dans une revue scientifique 2 ans plus tard. Merci. Merci parce que ça éclaire de manière intéressante les débats qui ont eu lieu, notamment aujourd'hui. Alors, dans ce cas-là, je vais vous emmener vers une nouvelle question qui est en lien quand même avec la précédente. Ah, Peter, you may want to add something. Did you raise your hand, Peter? Yes, thanks. You've made a good point that in the beginning, open access repositories generally distributed works that had already been peer-reviewed. In that sense, that level of quality had already been established, and the repositories didn't need to do any additional work. But then preprint repositories became more and more popular, and these were not peer-reviewed. And some of these preprint repositories distribute nothing but preprints. So everybody who understands what they do realizes those works have not been peer-reviewed, and they should take them as such. Some repositories do both, and that makes it important to use metadata to make it clear to the reader whether they're reading a work that has been peer-reviewed or not. So I should have added that we also use metadata to indicate whether a work has been peer-reviewed or not. We do accept both preprints and postprints, or unrefereed work and refereed work. We do one more thing. When the work has been published and we're distributing a peer-reviewed version of that article, we always include a full citation to the published version, and we include a link to the published version. And that way, we're helping everybody. We help the reader understand that they're reading a peer-reviewed work. We help the author know that all the readers understand that the work has been peer-reviewed. And we also help the publisher. And it's not our purpose to help publishers, but we don't want to make them angry when it's not necessary to make them angry. Excellent. Thank you for the precision. I will take you to another question, which will help us to go deeper in the debate. Je continue en français. About retractions, we talked a lot. I didn't switch to French, sorry. So I have to switch to French. Je vais aborder la question des rétractions qui nous a bien occupés, entre autres ce matin, des rétractions dans les revues, bien sûr, les revues savantes. Et se pose peut-être à nous la question de pourquoi n'y a-t-il pas de rétractions dans les archives ouvertes? Est-ce que c'est quelque chose qui a été évoqué par le passé? Est-ce que ça vous semble quelque chose d'envisageable? Quel est votre retour sur une idée comme celle-ci, Peter? Who should speak first? You. Okay. You, Peter. Yes. There are several approaches we take to that at Harvard. First, we allow authors to retract their own works. And it turns out sometimes authors are embarrassed by an older publication or an older work. And it's not that they think it's wrong, maybe they do think it's wrong, but we never retract works on our own, but we do let authors deposit them retract them. And our rationale is that we want to make our authors happy. That's the only reason. But we've debated what to do if a work has been criticized for being seriously wrong.
And we have never, we've only had one case of that. Let me just give that one as an example. It was a work by a student. It was not peer reviewed. And an expert in the field wrote to me and said, this work is seriously wrong and it embarrasses Harvard and you should take it down. And my response to her was, this is not a peer reviewed journal. We don't vouch for the quality of the articles here. We are simply distributing work by our affiliates. This author is an affiliate. Understand the difference between an institutional repository and a journal or a peer reviewed journal. And she accepted that. But we've had authors, or I've seen elsewhere, that authors have had their work retracted from journals when copies are still in repositories. And then the question becomes, should the repository retract the same works? That has never happened to us yet, so we have not had to make the decision. But I do know that some repositories do retract those works. So it's not true to say repositories don't retract. But when repositories face that question, they take two approaches. One is simply to retract the work, and another is to leave the work up with a notice that says the journal retracted this work. We're leaving it up because it's accurate history to point out that the author wrote this thing and chose to distribute it. Oh, and we're thank adding to that accurate history by explaining that it's been retracted. Very enlightened. Thank you. Okay, may I ask something to Peter on this question? Okay, you mentioned that up to now, you had no case about retracting from the repository papers that had been retracted in scientific journal. I just wanted to know if you are aware of the actual case about the Professor Gino from the Harvard Business School, who has already four papers who are retracted, and a lot will be coming retracted. So has she papers in your repository, or she has no paper in your repository? First, I am aware of that case. I'm following it closely. It's important to note that I stepped down from the office that ran the repository last year. Okay. And so... when I stepped down, there were no cases. But if she does have papers in the repository, and if those papers were retracted from journals, then the office that I stepped down from will have to decide whether to take those down from our repository as well. Thanks. That answers my question. Thank you. Le commentaire que je ferais, c'est qu'effectivement, ce que Peter dit est très important parce que et là, c'est mon analyse, OK? Je perçois une tradition, parce que quand même, je suis dans les universités françaises depuis plus de 20 ans, donc je suis un peu le mode de pensée français. Et la tradition nord-américaine, de laisser les gens décider par eux-mêmes, explique la résistance de vouloir enlever du repository, parce que même dans les revues, lorsqu'un article est rétracté, l'article n'est pas disparu du site web de la revue, il est écrit dessus « retracted paper », parce que le but des archives, c'est de dire cet article-là existe, a été publié, a été critiqué, et maintenant il est rétracté, dans le sens qu'il ne considère plus comme des données valides, mais il n'est pas disparu, c'est pas une censure. C'est de dire, bien, quand vous lisez cet article-là, attention, ce n'est plus un résultat qui est considéré comme accessible. Donc, enlever un article, on peut le faire, mais ça veut dire un mode de pensée différent de celui qui dit la communauté scientifique est capable de décider et qui seraient les juges sur un dépôt institutionnel qui serait mieux placé que l'ensemble de la communauté pour décider ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, c'est une question fondamentale ici, je crois. Yes. Merci. And I can add that it's important that most open access repositories, at least in the US, are run by librarians. And it's important to librarians to keep an accurate history of publication. And think about the age of print before there were any digital publications. If an article appeared in a print journal and it was later retracted, the librarians would keep the print volume on the shelves and they would jealously protect it.
They would demand that it stay on the shelf, partly because it contains other articles that were not retracted. But it's also part of good history to note that this journal published this article at this time. And then, as you point out, it was later criticized. And maybe the journal even accepted the criticism. But that's another part of history. But part of being a good archivist and part of devoting yourself to preservation is to keep the original with some sort of note or metadata indicating that it was later retracted. Thank you. This contextual historical context is very, very interesting to understand what we are talking about, retraction, and the nature of proof of this retraction. May I take you to another question that is also debated, maybe not too much today, but is present in the French debate. It's overlay journals. We have a national platform, which is EpiRevue, which is part of the French system. The overlay journals is a concept that has been a lot debated 20 years ago, I remember, and is coming back now. Can you, it's something interesting when we think about how repositories could help develop open access journal, Diamond open access journal particularly. Can you say something, Peter, from the perspective, the historical perspective, typically? Yes. First, I'm a strong supporter of overlay journals. It's a wonderful idea. We should understand that evaluating a work for peer review and distributing the work are two different functions, and they do not have to be performed by the same unit, by the same group of people. An overlay journal takes a work that might already be in a repository as a preprint, or it takes a submission that has never been published, and it runs it through its own peer review process. If it decides that it's good enough to publish, then it publishes it through a repository. It doesn't have a separate publishing platform. It uses the worldwide network of repositories as the publishing platform. A key part of this is metadata to indicate that this work was accepted by this journal or by this editorial board as being worthy of its standards. But there's no reason not to use the repository network as the distribution platform. Now, there are different kinds of overlay journals. Some of them take submissions directly from authors, like traditional journals. Some of them take submissions from preprint repositories. Sometimes they take them only when the author wants them to be taken up for evaluation. Sometimes they take any preprint, regardless of the author's consent, because the author has, in effect, consented by putting it in a preprint repository. I support all these variations in part because I support experimentation, and we have to see what works, what's appealing to authors, what helps authors in their careers, what advances research. But to me, the quality of peer review at an overlay journal can be exactly the same as the quality of peer review at a traditional journal. And the entire journal is saving money. That is, this is the least expensive way to publish a high-quality peer-reviewed journal. Thank you. Yves? Ouais, j'ai peu à dire sur cette question parce que moi, ce que je la regarde d'un point de vue de la dynamique de la sociologie des sciences et comme le vient de le dire très clairement Peter, et je suis entièrement d'accord, c'est factuel, c'est si on fait un overlay journal, c'est qu'on est en train de créer une revue avec la mécanisme d'évaluation par les pairs, donc on réengage la communauté scientifique à évaluer. Que les papiers viennent d'un dépôt institutionnel ou non, c'est contingent. La preuve, c'est qu'Archive, la plupart des articles déposés dans Archive se retrouvent ensuite dans une revue. Ce n'est pas le même niveau, donc on ne l'appelle pas overlay journal, mais c'est une revue, ça vante quand même. Le vrai problème, en termes de libre accès, c'est que avec le rapport Finch en Angleterre, on a réussi à faire l'alchimie épouvantable de transformer le Green Open Access, qui était le but essentiel de rendre gratuitement accessible, en Gold Open Access. Et maintenant, tout le discours du libre accès des institutions, y compris le plan S, a eu comme effet simplement d'enrichir les grands groupes qui disent « c'est nous qui représentons le Open Access, c'est nous les grands groupes Elsevier, Nature, Springer, qui représentons le
le Open Science. Nous, on va garder vos données sur nos systèmes et on va les valoriser. Donc, c'est pour ça que dans le langage, il y a un problème. Alors que si les revues prennent les overlays, au moins leur avantage, c'est qu'ils sont institutionnels parce que ça part du dépôt institutionnel, au moins ils ne sont pas dans les mains des grands groupes qui vont monétiser encore une fois. Mais fondamentalement, si on fait un overlay journal, on est en train simplement de créer une nouvelle revue. Or, moi, depuis plusieurs années, j'ai peut-être tort, je suis fondamentalement contre la multiplication des revues. Il y a plein de revues dans tous les domaines. Au lieu d'en multiplier encore plus et donner 10 fois plus de travail aux évaluations par les pairs, vous savez qu'en anglais, depuis 20 ans, on parle de peer review fatigue. Hein? C'est que les évaluateurs sont enterrés de demandes d'évaluation. Moi, le premier, je refuse à peu près systématiquement toutes les demandes qu'on me fait d'évaluer des articles parce que je passerai mon temps à évaluer les articles des autres et moi-même, donc je cesserai totalement d'écrire et faire de la recherche. Donc, je n'ai rien contre les overlay journals, mais c'est simplement une revue de plus dans le champ déjà encombré des revues scientifiques, y compris en sciences humaines et sociales. Merci. Je vais donner la parole à la salle. J'ai encore une ou deux questions, mais je souhaiterais donner la possibilité à la salle de poser des questions, faire des remarques, s'engager dans le débat. On vient d'aborder quand même des questions importantes, y compris celles des modèles de publication qui cohabitent ensemble. Non, personne? Ah, dommage. No question yet, but I'm sure it's they're coming. Bonjour. Vous préférez que je pose la question en français, en anglais? I have a question for both of you, really. I wonder what happens with these retracted yet still accessible articles in OAs when it comes to automatic evaluation, you know, with accounting for evaluating H-index and others. Are these articles counted, or are they taken out of the count by metadata or other labels? And if not, it means evaluation stands on these poor quality publications. That's a good question. I don't know the answer. I don't know whether a retracted article still counts toward the impact factor or the H index. It would be an interesting question for those bodies to take up. I think those metrics are already misleading. So I think we have many other questions to answer before we rely on them. But this is one that I hadn't heard before. It's a good question. Oui, effectivement, ça me fait un peu rire parce que les boîtes noires de Web of Science ou de Google Scholar qui vous disent le H-index, qui est un indicateur dont j'ai écrit un certain nombre d'articles démontrant que c'est un indicateur techniquement erroné et complètement absurde. La preuve, c'est que, vous savez, votre grand savant Raoult a un indice H de 107, ce qui est le double de celui de Einstein. Donc, c'est un dessus de conneries. Mais effectivement, je ne sais pas si les boîte noire des compagnies qui calculent ces indices n'importe comment, inclut ou non le fait d'enlever du calcul la rétractation. Mon intuition, c'est qu'ils ne le font pas parce que ça serait compliqué. Il faudrait commencer qu'ils modifient les métadonnées de cet article qui est rétracté. Et donc, c'est une question qu'on a posée au Web of Science et Scopus et Google Scholar. Et ils vous ont répondu? Ah, on devrait. Ah, d'accord, autant pour moi. Une autre question. Ouais. Another question is coming. So thank you very much, first of all, for your very interesting insight and in the world of open science. So I would like to go back to the question that's been asked a second ago about overlay journals. So as Sherifa was saying, they are some 20 years old. I mean, they've been
around. People have been speaking about overlay journals for 20 years or so. Everybody in the open access community or people involved in these, we all think they're great, yet they fail to succeed. There are many, many journals that are being created every year, and just a small fraction of it are overlay journals. So with a bit of historical insight or in perspective, why do you think that this beautiful, in theory, beautiful project is not working in a way? That's a good question. For perspective, many new journals fail to catch on regardless of their business model, regardless of their structure. And so part of the failure is the general failure of new journals. But there may be some special failure of overlay journals. As I mentioned, their peer review is done by editorial boards that are distinct from publishing platforms. And so they have to develop some reputation for quality before people will trust them. And up until now, the reputation for quality of an editorial board was connected to the brand of the publisher who owned it or controlled it, and that was connected to the publishing platform. And we're not used to seeing editorial boards distinct from or separated from their publishing platforms and with essentially no brand, except maybe the name of the journal. I think this is called a sociological problem. I can say that as a non-sociologist, that is, it's not a technical problem, it's not a legal problem, it's not a metadata problem. It's about the culture of research. And scholars have to get used to the fact that high quality research can be vetted, evaluated by editorial boards that are not publishers, that do not have their own publishing platform. Today, that's a new thing, even though, as you point out, it's not very new. It's new in the sense that it's not very common. And so scholars don't have too many examples to teach them that this kind of editorial board can do good work. So to me, this is another example of why it's important to change the culture of research. But once we acknowledge that, we have to realize cultural research, the culture of research changes very slowly. We cannot directly engineer cultural change. We have to work on it distributively all the time for a long time. But I hope this is one of the changes that we can keep our eye on and try to create as deliberately and as quickly as we can. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ce que Peter a dit. C'est une question fondamentalement sociologique. Et le problème, c'est une question que la culture est très intégrée. Par exemple, si on pense aux travaux classiques de Merton sur l'effet Mathieu, le capital va au capital, comme disait Bourdieu. Donc, la reconnaissance des revues, les chercheurs qui sont évalués selon la qualité des revues, c'est une boucle qui est difficile à briser. Et c'est ce que je voulais faire, le Green Open Access, mais les États, y compris avec le plan S, ont plutôt acheté l'idée du gold qui redonne au grand groupe Springer. Par exemple, on a fait un article il y a 3-4 ans sur le fait que, alors que pendant plus de 100 ans, la revue Nature, qui est la revue la plus renommée, avec la revue Science, avait une revue. Lorsque Nature a été privatisée et on a compris qu'on peut financiariser la revue Nature, les gens Nature ont compris que le mot Nature est un capital symbolique énorme, qu'ils ont transformé en capital économique en multipliant Nature Communication, Nature Human Behavior, Nature. Et les scientifiques sont une bande de naïfs, entendent juste le mot Nature et vont tous vers Nature Communication, Nature Physics, Nature Chemistry. Et donc, on enrichit les grands groupes. Donc, les petites revues open access, libres, qui viennent d'être créées, les scientifiques n'iront pas, de peur de ne pas être reconnus. Et je dirais que c'est doubler la difficulté dans le contexte actuel des revues prédatrices. Parce qu'on a tellement de revues prédatrices autour que les nouvelles revues, on va être certain qui est sur le comité éditorial. Et donc, on a mieux aller vers les valeurs sûres parce qu'on va être évalué par notre département dans 2 ans. Ils vont nous demander, et surtout en France, hein, on a les listes ABC. Hein, les économistes vont vous dire, est-ce que tu es dans le top 5 journals? Les sociologues vont dire, ah, tu n'es pas dans la revue des revues A, c'est la revue B et les revues C. Donc, les contraintes structurelles sont toutes en désavantage aux nouvelles revues, qu'elles soient overlay ou autres.
Tout à fait d'accord. Une autre question, j'en ai une autre en réserve, mais la priorité est à la salle. Non? En attendant, je vais poser la mienne. When we were preparing this meeting with Ellen, and Ellen is not far from here, we had the chance to discuss together the cultural aspect to knowledge, to the access to knowledge, and we had the chance to discuss the specificity of the French system with a national repository. And I would like to invite you also to discuss about this, how from North America you see this difference, this specificity, which may be anchored in our history and in our relationship to knowledge. Peter, first, please. First, I admire HAL. I'm glad it exists. I hope it continues to exist. Nothing like that could happen in the United States, because we're so big, so much bigger. And that's true for many other things as well. In many European countries, there are national open access policies. That could never happen in the United States. We're much too big. We're getting close. All the public funding agencies have been asked to develop open access policies following common guidelines. But there won't be one policy that covers the nation the way there is in some European countries. There will never be one repository that covers the nation. One reason I like HAL, one reason I like the idea of a national repository, is that it increases the odds that it will survive for the long term. Right now, most other repositories are institutional only, and most institutions cannot fund them adequately. And maybe HAL is not funded adequately either. I don't know. But it seems to me unlikely that HAL will actually fold up and die, whereas it's perfectly possible that an institutional repository might fold up and die. So by collecting more research by more people and connecting it to the national identity, I think we increase the odds that it will be funded at some adequate level for the long term. That's a good thing. On the other side, I think it must be the case that you can only make important changes to HAL with the consensus of a wide group of people who don't agree on everything. That a single institution, a small group of people decides the direction of the repository, decides the priorities, decides the local policies and practices. But the larger that group is, the harder it is for them to reach consensus. And it might be that your own internal disagreements slow you down in making important changes. Thank you. Oui, je pense que la variable la plus déterminante n'est pas une question de grosseur. Quand Peter dit parce que les États-Unis sont trop gros, c'est vrai, mais je pense que le cas du Canada et du Québec, qui est tout petit, montre que c'est plutôt culturel. Parce qu'au Québec et au Canada aussi, c'est des dépôts institutionnels. Il n'y a pas cette idée, il n'y a jamais eu dans la tradition nord-américaine l'idée d'une centralisation où le roi ou ensuite le président décide de tout et que les gens font rien, sauf s'il y a une loi. Okay? Donc, c'est une mentalité radicalement différente. Ici, les gens font ce qu'ils veulent tant qu'ils ne vont pas contre la loi. Alors que dans la tradition française, je m'excuse, mais j'ai toujours compris que c'est l'inverse. On dit, on ne peut rien faire jusqu'à ce qu'il y ait une loi. Et là, s'il y a une loi qui nous permet de faire ça, on va le faire. Et si vous me permettez 30 secondes, je vais vous raconter une anecdote qui est la preuve empirique de ça. Il y a au moins 15 ans, parce que moi, j'ai mon dépôt institutionnel. Toutes mes publications sont sur mon site web. Je mets, peu importe les droits d'auteur de Springer, je m'en fous, je mets tout sur mon site. Donc, je vais à un congrès en France, il y a une quinzaine d'années, on a un souper le soir, il y a un des professeurs qui me dit, « Ah, M. Gingras, c'est incroyable, comment vous faites pour déposer tous vos articles sur votre site? » Je dis, « Comment je fais? » »« C'est facile, je le dépose. » Il dit, « Ah bon, mais... » Vous n'avez pas le droit, je m'en fous, c'est mes articles, donc je dépose. Lui, il avait difficulté à comprendre qu'il faut être, qu'on me donne la permission pour faire des choses, alors que c'est l'inverse. Chaque, comme dit Peter, chaque université fait le dépôt institutionnel qu'elle veut, met les critères qu'elle veut, et ça se termine là.
il n'y a pas de centralisation complète. Parce qu'une fois qu'il y a une centralisation, comme dit Peter, qui va être sur les comités? Qui va faire les règles pour l'ensemble du pays? Donc, c'est des traditions culturelles différentes qu'il faut respecter, bien sûr, mais qu'il faut comprendre que ça fait des choses très, très, très différentes. Ça a des conséquences aussi pour l'interdisciplinarité. Hein, quand on a des comités du CNU, des comités du CNRS qui sont disciplinaires, la discipline 33, ce n'est pas la 42, on comprend que ça a des conséquences pour la fluidité des pratiques. Donc, c'est vrai pour le open access. Si vous avez un système centralisé, ça a des conséquences qui sont différentes. Cependant, comme dit Peter, l'avantage, si on n'a pas eu le temps d'en discuter, mais à mon avis, c'est la chose la plus importante, c'est que dans le libre accès et surtout dans dans la science ouverte, on ne parle jamais des coûts institutionnels qui sont énormes. L'université Harvard, elle est très riche. Elle peut se permettre le système que Peter décrit. Mais la plupart des petites universités de Utah ou de, je ne sais plus dans quel petit trou des États-Unis, Arkansas, je ne crois pas qu'elle a les moyens de le faire. Et au Québec, c'est la même chose. Chaque université étant indépendante, il faut bien comprendre ça, elle est totalement indépendante. Elle n'est pas l'émanation du ministère de l'enseignement supérieur. C'est une université indépendante. Moi, je suis à l'Université du Québec à Montréal. Alors, on fait ce qu'on veut indépendamment de l'Université de Montréal, indépendamment du ministère. Donc, cette décentralisation radicale et l'autonomie totale des institutions leur donnent des marges de manœuvre pour celles qui sont les plus riches. Et comme dit Peter, lorsqu'ils n'auront plus d'argent, ils vont tirer la plug. Dernier exemple dans le passé dont on ne parle plus, qui est la preuve de la fluidité. Vous vous souvenez, il y a une dizaine d'années, la mode partout, c'était les MOOC. Hein? Open Access Massive Online Courses. Les cours gratuits, on se vantait qu'on pouvait suivre des cours d'MIT gratuits, des cours d'Harvard gratuits. En Suisse, on faisait des cours à l'OPLF gratuits. On a découvert qu'après, les trois quarts des étudiants abandonnaient après 3-4 semaines et que ça coûtait de l'argent aux institutions. On parle à peu près plus des MOOCs aujourd'hui. Donc, il faut comprendre que tout le courant de Open Science, tant qu'on ne mettra pas de l'avant le coût réel en millions d'euros, on parle en l'air de façon généreuse, sans tenir compte du fait que ce sont les infrastructures qui vont faire que ça dure. Et de ce point de vue-là, une approche centralisée a peut-être l'avantage que l'État, qui veut un système qui est central, devra mettre l'argent si elle est sérieuse à propos du libre accès. Parce qu'au Québec, on parle souvent de libre accès, de la main gauche et de la main droite, on ne donne pas les montants pour rendre réel ce libre accès. Donc, une déconnexion de la rhétorique et de la réalité. Merci. Je vais donner la parole à Serge Moin qui est là, mais juste pour préciser, en France, on utilise les MOOC. Hein. Enfin, les MOOC n'ont pas complètement disparu. Donc, voilà. Serge. Oui, c'est juste pour relativiser ce que Yves a raconté. Moi, je connais des chercheurs en France qui déposent toutes leurs publications sans se poser de questions, etc., etc., sur leur page web de leur université ou de leur école, et ça marche très bien. Marie Farge, par exemple, si tu dois la connaître, et elle s'en vante publiquement, y compris devant des éditeurs, et jamais aucun n'a jamais rien. Par ailleurs, HAL, ce n'est pas une initiative centralisée du tout. En tant qu'initiative, c'est un chercheur qui est allé frapper à la porte du siège du CNRS en disant « j'ai une idée parce que c'est embêtant, archive, on s'en sert tous, physicien, Franck Lalloué, archive, c'est vachement bien, mais c'est quand même extrêmement risqué que ce soit entre les mains du seul Ginspark, c'était en 99, si je ne m'abuse, qu'il a dit ça, que je connais bien, qui est super sympa et je lui fais entièrement confiance, mais il est quand même un peu space. S'il arrache la prise de courant, on aura le backup, mais on n'aura plus les outils. Donc, ce serait bien qu'on fasse quelque chose de complémentaire. Et c'est parti comme ça. Et il a trouvé pas grand-chose comme pognon, presque rien. Il n'en a pas eu besoin de beaucoup parce que les infrastructures étaient là. En l'occurrence, le centre de calcul de l'INDP3, qui est juste à côté d'ici. Et qu'il y avait là-dedans un ingénieur qui a dit, informaticien, qui a dit, ouais, quelle bonne idée, je vais bricoler ça. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et après, est venu se greffer dessus quelque chose d'institutionnalisé, mais ce n'était pas ça le point de départ du tout. C'était bien une initiative individuelle et pas celle de l'institution. Oui, mais ça, je peux faire un commentaire là-dessus. C'est très, très intéressant parce que ça montre, ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est la sociologie. C'est qu'effectivement,
C'est la même chose pour Gainsbourg. Il a parti ça ensuite. Il a vu que ça grossit. Ça ne peut pas durer sur la tête d'un individu, aussi gentil soit-il. C'est ensuite allé à l'université de Cornell. Et donc là, c'est pareil. Qu'un individu bricole ça dans son sous-sol, c'est une chose. On a le même débat au Québec. Vous savez, vous connaissez sûrement les classiques des sciences sociales. OK, ça. Il y a des centaines de milliers d'individus, beaucoup en Afrique, parce que nous, les droits d'auteur sur les livres, c'est 50 ou 60, donc c'est 10 ans de moins qu'en France. Donc, on a beaucoup de documents en libre accès en sciences humaines et sociales sur les classiques des sciences sociales qui sont encore sous droit d'auteur en France. Et donc, il y a plein d'auteurs africains, de jeunes étudiants africains qui vont sur les classiques des sciences sociales. Ça a été mis en place par un individu à l'Université du Québec à Chicoutimi, qui maintenant a fait ça tout seul, mais là, c'est rendu trop gros, donc il veut que l'université s'en occupe. Donc, c'est inévitable que le changement d'échelle oblige que ça soit une institution qui est plus en principe pérenne, que ce soit une université ou un État. Donc, vous avez raison de dire, l'origine est une chose, mais la pérennité ne peut pas reposer sur la bonne volonté de deux, trois individus généreux de leur temps. Alors, une autre question. J'ai encore une des questions en réserve, mais je serais enchantée de donner le micro à quelqu'un de l'audience. Oui, Frédéric Bordignon. Bonjour. En France, on aime dire ces derniers temps que la science ouverte est un levier pour l'intégrité scientifique. Une phrase un peu sacralisée. J'aimerais savoir si vous adhérez à ce slogan, cette idée. Et si oui, dans quelle mesure vous pensez que la science ouverte peut être un levier pour l'intégrité scientifique? Et une autre question subsidiaire, est-ce que l'intégrité scientifique ne serait pas aussi un levier pour la science ouverte? Have you heard the question, Peter? Yes. If I understand it, I agree with both halves of that proposition. I think open science does improve the quality of science by sharing the text, the data, and the code, and also by pre-registration. We improve the quality of the results. On the other hand, people who are inclined to do good work by sharing their data and code and by relying on the shared data and code from other people will move toward open science, and they will demand it, and they influence each other. Somebody said, open science is just science done right. And that's right. We have to remember that once upon a time in the 17th century, scientists who made new discoveries would write them in code in their notebooks so that nobody would ever know them except themselves when they were ready. We've come completely around, and partly it's through the recognition that good research is social. That is, you don't make all the advances in a new field on your own. You make an advance on which others can build. And if you want others to build on your findings, and if you want to build on their findings, then you both have to know about each other's findings. And that requires publication, but traditional publication was inequitable or it was unevenly distributed. And so sharing it with everybody supports the quality of research. Bad research will be criticized. Good research will be confirmed or replicated. And in that sense, open science is helping to solve the replication problem, which is a serious one. But at the same time, people who want to solve the replication problem are calling for open science because it's the remedy for failures of replication. Okay. Je voudrais pas donner une réponse trop longue, mais il faut rappeler que avant l'invention du mot « open science », et quand on dit « open science » ou « science ouverte », c'est comme si avant, la science n'est pas ouverte. Or, dans la communauté scientifique, il y a des travaux de sociologie des sciences depuis longtemps qui montrent ça. Dans la communauté scientifique, lorsque des gens voulaient avoir les données de l'autre pour dire « Hey, j'ai lu ton article, est-ce que tu peux me donner des données que je fasse des vérifications? » Je vais donner un seul exemple. Vous vous souvenez de la découverte du virus du sida par Montagné. Quand Montagné a découvert le HTLV ou le LAV, Gallo, aux États-Unis, lui a dit « Ah,
C'est intéressant, mais peux-tu nous envoyer un échantillon des cellules? Donc, la science était ouverte, mais ça ne s'appelait pas comme ça. C'est la norme intérieure à la communauté scientifique. Mais moi, ça m'est arrivé lorsque, dans le tout début de Open Access, on avait fait une étude avec Stephen Arnad, où on montrait de façon bibliométrique, avec les millions de données qu'on avait dans la base du Web of Science que j'ai à l'OST, que les papiers en libre accès étaient beaucoup plus cités que les papiers en non-libre accès. Évidemment, les gens qui travaillaient pour les compagnies, Schrager, mettaient en doute nos conclusions. Donc, ils ont demandé qu'on leur donne nos données. Mais ça se fait de façon, je dirais, silencieuse dans la communauté scientifique. Ce n'est pas votre grand-père ou votre belle-mère qui veut avoir accès aux données de l'algorithme ou d'un texte de mécanique quantique. Et donc, si on institutionnalise les dépôts institutionnels pour toutes les données qualitatives ou quantitatives, je vous prédis que ça ne marchera pas, parce que ça va coûter des centaines de millions de dollars, des centaines de millions d'euros, et la demande d'avoir accès à ces données-là va être microscopique, parce que la reproduction des travaux, un, elle est rare, et deux, elle se fait par des experts qui échangent entre eux. Dès les années 70, il y a un travail de Harry Collins, très bon, qui s'appelle sur le laser TEACO2, qui avait été découvert à Valcartier, à Québec. Les Britanniques n'étaient pas capables de reproduire le laser. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le téléphone, ils ont appelé à Québec, sont venus dans le laboratoire, ils ont regardé, ils ont dit OK, on comprend comment ça marche. Ils sont retournés en Angleterre, ils ont fait le laser TEACO2. Tout ça pour dire que la science ouverte existe depuis longtemps, mais de façon invisible par la communauté scientifique, qui a une règle non écrite, mais qui maintenant est écrite, que quand tu publies, si je te demande une copie de ta souris pour vérifier qu'elle a bien le cancer, tu dois me donner une copie de ta souris. Maintenant, les revues comme Nature et de plus en plus de revues de Lancet, quand on signe la publication, on jure qu'on va donner accès à toute personne qui le demande. Et ce n'est pas ma grand-mère ou votre grand-père qui va le demander, c'est un autre chercheur dans une institution. Donc, je ne suis pas contre la science ouverte. Je dis simplement que les coûts de forcer le dépôt obligatoire dans un système lisible par tout le monde, mis à jour régulièrement, est un coût astronomique pour des bénéfices microscopiques. Une dernière question. Il nous reste, je crois, 5 minutes. C'est bien ça. Alors, une dernière question que je vais poser par rapport aux débats qui ont eu lieu ce matin, notamment avec deux présentations. Et alors, vous avez une audience ici qui est composée de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, de professionnels de l'information et des bibliothèques. Est apparue à plusieurs fois la question de la recherche sur la recherche, c'est-à-dire la nécessité de développer des travaux de recherche sur les évolutions actuelles, les mutations actuelles de pratiques de la recherche qui associent à la fois professionnels de l'information mais aussi chercheurs. Je vous invite, si vous le souhaitez, si vous le permettez, de dire quelques mots sur ce nouveau champ qui fédère des travaux pluridisciplinaires, qui fédère des profils de chercheurs très différents également, et qui fait actuellement beaucoup parler de lui, qui est au cœur du débat actuellement. Peter? Yes, there's a new field. I've seen different names for it. The science of science, meta-science, sociology of science, which is not always the same thing. In a way, I left my first career in philosophy for this field, which we could call meta-research or research on research. Initially, it was to devote myself to open access full-time, which I could not do as a philosophy professor. But since then, I've expanded my interest beyond open access in the narrow sense to all of research on research. For example, on social media, I keep track of new studies on gender bias in academic publishing, which by itself has nothing directly to do with open access. There can be gender bias in non-open publishing and in open publishing. But to me, this is research about research. It just happens to interest me very much. The same goes for multilingual research. I've become very interested in the possibility of sharing new research
with everybody, regardless of language barriers. That's a hard problem to solve. I'm fascinated by research on research. I'm also fascinated by the fact that it's rising and it's becoming an academic specialization or a department in more and more universities. More and more students are getting degrees in it. More and more universities are hiring people who specialize in it. I think that's a good thing. And I wish I were younger so I could take better advantage of that. Thank you, Peter. I'm quite sure that Eve is going to say something different. No, I totally agree with Peter, in fact. But mais ce que je vais dire va être différent dans le sens que je vais le dire d'un point de vue d'un sociologue des sciences. Je vais observer ça. C'est que ce qui me fait rire dans l'émergence du mot « science of science », comme dit Peter, c'est que ces gens-là, c'est des gens qui viennent de découvrir un domaine sur lequel on travaille depuis 40 ans. Hein? C'est Derek de Sola Price en 1962 qui crée le livre « Little Science, Big Science » et la revue « Scientometrics ». Scientometrics. De mémoire, là, j'ai essayé d'ouvrir dans mon livre, mais c'est vers 1975. Donc, ce qu'on appelle la science de science, la recherche sur la recherche, c'est le domaine STS depuis les années 70. Donc, tout ce que je vous disais sur la circulation des données implicites dans les collèges invisibles, c'était de la science de la science. C'était de la sociologie des sciences. Et l'explication, à mon avis, c'est ma proposition de sociologue des sciences, si le mot « science of science » est arrivé récemment, c'est que les scientifiques eux-mêmes, depuis que la pression et la publication s'est imposée avec le néolibéralisme dans les universités des années 90, l'imposition des données bibliométriques pour mesurer, l'invention en 2005 par un physicien du H-index, a fait prendre conscience aux scientifiques eux-mêmes, surtout d'ailleurs dans les sciences bio, médicale d'abord, parce que c'est là que la pression était plus élevée, beaucoup moins chez les mathématiciens qui ne se sont jamais cassés les oreilles avec l'indice H, ils font les petites publications. Je ne connais pas beaucoup de mathématiciens qui croient aux niaiseries de l'indice H, mais il y en a plein dans le domaine biomédical. Donc, ces gens-là se sont mis à réfléchir sur eux-mêmes et ont réinventé la roue. Ils se sont mis à faire des études quantitatives de la science. Ils ont redécouvert la bibliométrie, sans jamais, bien sûr, citer la bibliométrie. L'autre exemple, c'est les économistes qui, à partir des années 2000, se sont dit « Hey, on va étudier l'économie de la science » et se sont mis à réinventer la bibliométrie, sans s'en apercevoir, à découvrir la loi de Lotka qui date de 1926. Donc, le mot « science of science », c'est la prise de conscience par les scientifiques eux-mêmes qu'il faut étudier le système de la recherche sans comprendre que nous, les sociologues des sciences, le faisons depuis 40 ans. Serge Boin veut applaudir. Il n'a pas osé, mais il allait applaudir. Hein. Donc, voilà. Nous arrivons à la fin de cette discussion, de ce débat. Merci sincèrement. Thank you so much, Peter. Thank you, Eve, for providing us your time and your availability this early in the morning. Merci de nous avoir donné votre temps, votre disponibilité, d'avoir accepté de discuter avec nous. And on behalf of Nathalie Fargier and the CCSD and all the audience, I would like to thank you sincerely. Merci à vous sincèrement au nom du CCSD, de Nathalie Fargier, la directrice du CCSD, et de toute l'équipe d'organisation de cet événement et de toute l'audience. Et on va vous applaudir très, très fort. Merci beaucoup de votre invitation. C'est très gentil de votre part de penser qu'on peut vous être utile. I'd like to thank everybody too, including especially those who asked questions. Yes. Thank you. Thank you so much. Goodbye and see you soon, I hope. Yep. Have a nice evening. Bye, everybody. Bye.